J'attends un bébé. Vous me croyez pas? C'est pas grave. C'est vrai que ça peut sembler un peu incroyable que je devienne père. J'en ai parlé à maman. Je suis arrivé chez elle, j'ai dit « Maman, j'attends un bébé. » Non, 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 je pleure pas. C'est super. En sortant de chez maman, j'arrive sur des mecs en survêt casquette. Je me dis que eux, ils s'y croient tellement qu'ils vont me croire un peu. J'arrive vers eux, je leur dis « J'attends un enfant. » Wesh, tranquille, je suis sûr il sera cool, t'inquiète. Puis tu vas lui passer de la bonne musique, vas-y, écoute. Écoute. En parlant de musique, je me suis dit qu'il fallait que je prenne un petit peu l'air. Là, j'arrive dans une forêt et je tombe sur des scouts. En voyant ces gamins, je me dis que l'enfant que j'attends, lui aussi, va donner de l'amour. Être généreux, s'engager, rendre le monde meilleur. Et à ce moment-là, un scout arrive vers moi et me dit « Article 3 de la loi scout, le scout est fait pour servir et sauver son prochain. » Ça alors, j'aurais pas dit mieux de l'enfant que j'attends. Quelque chose me dit qu'au ciel, il y a quelqu'un qui sourit. Il faut que j'en parle à mes amis dominicains. Au couvent des dominicains, je croise un frère qui a l'air aussi content que moi. Et je lui dis « Eh cher frère, réjouis-toi et bénis-moi. J'attends un enfant. » Et vous savez ce qu'il me répond avec un grand sourire? Ben je sais, nous aussi on l'attend. Eh oui, on attend tous un enfant. Et cette arrivée qu'on va fêter ensemble, c'est la naissance du même enfant. La naissance de notre sauveur. Pour l'accueillir ensemble, préparez-vous. Préparons-nous tous ensemble dans la joie sur avantdanslaville.org.